flow, c'était la fluidité de la voix. Elle vous emmène dans des contrées totalement inconnues. Elle nous a fait une manœuvre avec des vents supérieurs à 25 nœuds. Elle a écarté les traves du bateau, du quai impeccable. C'est une capitaine, en plus, qui va enchanter tout le monde dans les ports où elle va passer. C'est un projet formidable. Ça donne une autre vision de la mer. Une belle traînée, un beau sillage derrière elle, ouais. Je m'appelle Marie-Cuisance Berthaud, je suis pianiste et navigatrice et je suis à l'origine du projet Piano Océan, un tour du monde à la voile avec un piano à bord. C'est avant tout un voyage de création, c'est un voyage humain. Et qui dit voyage humain dit prendre le temps de la rencontre, de découvrir le territoire sur lequel on arrive, de rencontrer les gens et de les inviter à participer à l'aventure Piano Océan. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'alterner des périodes de navigation et des périodes de résidence, d'escale, et de vraiment prendre le temps. C'est pour ça aussi que l'itinéraire global de Piano Océan va prendre une dizaine de saisons. Piano Océan, c'est un projet d'ouverture en fait. Pour moi, c'est avant tout un projet de partage. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller à la rencontre et de cette rencontre, de ramener quelque chose. On est sur ce qu'on appelle du patrimoine immatériel. C'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui se situe autour des œuvres, autour de la musique, autour du son. Et le répertoire que j'interpréterai à ce moment-là sera en perpétuelle mutation par rapport au voyage qui aura été fait, aux musiques qui auront été rencontrées et créées sur les îles. Par exemple, pour les premières saisons qui vont être la Méditerranée l'année prochaine, la tournée celtique en 2016, la tournée baltique en 2017, et ensuite on changera de continent. À chaque fin de tournée, on va sortir un album qui sera un carnet de voyage musical. Il a fallu créer l'outil Piano Océan, qui est donc la goélette Lady Flow, qu'on a complètement transformée pour créer un studio d'enregistrement d'une part et une véritable scène de concert d'autre part pour les représentations que je donnerai avec le piano. Aujourd'hui, le projet Piano Océan, bah, c'est évidemment un bateau sur lequel on a pu installer le piano. Il est configuré, il est prêt avec son système qui lui permet d'aller de la cabine au pont. Assez incroyable, mais c'est vrai, le piano est juste là. Et on a pu l'installer à l'issue de 3 mois de travaux qui ont été réalisés cet été. L'installation du bateau, je dirais la modernisation, la mise en forme pour le projet qui est commencé, qui n'est pas complètement fini. Donc il y a eu tout un travail en collaboration avec à la fois des acteurs du monde nautique, architectes navals, constructeurs navals,
et à la fois des acteurs du monde musical, un accordeur et facteur de piano d'une part, quelqu'un qui crée aussi tout le studio son, toute la diffusion. Le premier besoin, c'est du soutien sous forme de, du soutien matériel, du soutien sous forme de mécénat. C'est de l'accompagnement peut-être par de grandes entreprises ou par des grands groupes qui veulent associer leur image à l'image de Piano Océan et aux valeurs qu'ils peuvent véhiculer au niveau du patrimoine, de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Et puis après, c'est de la visibilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire connaître le travail de Piano Océan via le travail de Maric, de faire connaître ce voyage et ces rencontres qui vont arriver. Donc on a besoin d'un soutien de communication, de visibilité. J'aimerais pouvoir dire en réalisant Piano Océan, c'est d'abord que c'est possible, qu'on peut se permettre de rêver des choses complètement improbables et qu'on peut se permettre d'y croire et de les faire, qu'on se doit même, je pense, de les réaliser. L'idée de Piano Océan, c'est aussi de changer de forme, de pouvoir permettre à la musique de voyager d'une autre façon et diffuser la musique de manière palpable, c'est-à-dire qu'elle vogue sur un voilier. His boat on the bay. Break, break out the food of thy cracks. Break, break, oh sea. And the tender grace of a day that's dead will never come back.